Salut à tous les amis, c'est Lacunabi et bienvenue dans cette vidéo qui concernera bel et bien Bleach Immortal Soul. Aujourd'hui on va discuter justement des War Souls qui arriveront très prochainement sur le jeu, tout ça sous couvert d'un gameplay sur Bleach Breath Soul. Étant donné que je suis en train de farmer et qu'il n'y aura pas question d'image pour le moment, juste les informations qui ont été justement retrouvées par Tommy, le joueur américain Thank You Man, un joueur américain qui s'est amusé à fouiller les poubelles du studio de Oasis Game et il a retrouvé des choses ultra intéressantes, vous allez le voir. Il y a à peu près 20 War Souls qui vont arriver sur le jeu, les amis, et aujourd'hui je vais pouvoir en discuter avec vous. Merci aussi à Zabirou, le Bleach informateur du Discord communautaire, le lien est dans la description, qui s'est amusé à tout traduire, et aujourd'hui j'en fais une vidéo. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première War Soul, la War Soul of Carapace. Voilà, l'esprit d'héritage de la tortue qui va augmenter les PV du porteur d'un certain pourcentage. Et après avoir lancé une compétence d'ultimate, tu vas augmenter son propre taux d'immunité aux dégâts pendant un tour. Malheureusement, j'ai pas les pourcentages. Est-ce que ça va être du 25% ou est-ce que ça va être à l'opposé 5%? On ne sait pas encore, donc faut voir la puissance de la War Soul. En tout cas, elle a un énorme potentiel, hein, justement, partir en ultimate avec un personnage qui augmenterait ses PV de base, lui permettrait justement derrière de réduire les coûts drastiquement. Mais encore une fois, on n'a pas les pourcentages, on ne peut que spéculer, malheureusement. Hop, on part directement sur la War Soul of Saber. Alors, tout simplement des sabreurs. Cet esprit d'héritage va augmenter les chances de blocage de tous les personnages d'un certain pourcentage. Il faut voir aussi si c'est un esprit d'héritage global et du coup, ça permettrait de l'équiper sur un personnage de la box et le laisser de côté un peu comme le frérot qui est déjà présent, Con. Hop, on part directement sur la War Soul numéro 3, la War Soul of Viciousness. J'imagine l'esprit d'héritage vicieuse qui va augmenter l'attaque du porteur, donc là on est plutôt sur un esprit d'héritage de Nuker et ça fait plaisir parce qu'on en manque justement énormément. Les dégâts infligés sont augmentés d'un certain pourcentage si la cible a plus de PV que le porteur. Ça va être la War Soul à équiper en boss des squads, en défi extrême et même en PVP, hein, sait-on jamais sur qui on tape. Généralement en plus nos Nuker peuvent justement être en dessous des PV par exemple des personnages de type technique ou défensif, donc vraiment cette War Soul va faire du bien. Maintenant faut voir à quel point il augmente les dégâts infligés. Est-ce qu'on est au même ratio que Uryu qui booste de 50% en légendaire, hein, encore une fois son esprit d'héritage, sur les combos? Est-ce qu'on serait dans le même acabit? On ne sait pas trop, on verra bien. Dans tous les cas, on peut aussi penser que les prochaines War Souls de la V2, là on parle de War Soul V2, deuxième génération, peuvent être peut-être même au-dessus, hein, que les premières. Faudra voir d'ailleurs de quel War Soul on parle. Est-ce que c'est des War Souls? Je le pense en vrai. Je pense que c'est des War Souls qui vont être liés justement à des personnages. Il faudra des chartes de perso sûrement pour les crafter. Ou est-ce que c'est simplement des esprits d'héritage en plus? Mais du coup, qui viendra s'ajouter à quoi? C'est ça le truc. Est-ce qu'on le rajouterait dans le gachapon? Est-ce qu'il y aura un nouveau mode de jeu pour aller les récupérer? Je pense sincèrement que ce sont des War Souls à craft. Hein. Après, j'ai toujours le droit à l'erreur parce qu'on est sur de la spéculation. Voilà, allez, on part directement pour la quatrième War Soul, le quatrième esprit d'héritage de Revigoration. Augmente les HP de tous les personnages d'un pourcentage en fonction des HP du porteur. Donc ça, il faudra évidemment l'équiper sur un personnage avec énormément de PV. Est-ce que c'est encore une fois un esprit global et du coup, il fonctionnerait dès lors qu'il est équipé sur un personnage et ce, sur tous les personnages de la box, un peu comme celle de Soyphon, hein, ou est-ce que ça va être juste pour l'équipe, et sachant qu'on va être quand même assez limité en une seule équipe de choisir les esprits d'héritage, parce que ça nous fait que 6 emplacements, évidemment, et 6 emplacements, c'est assez limitatif au total. Bon. On part directement sur la cinquième War Soul, la War Soul de Courage ou la War Soul de Morale, of Morale, augmente les chances de critique de tous les personnages d'un pourcentage. Celle-là, elle est indispensable, les amis, j'ai tellement hâte qu'elle sorte. À augmenter les chances de critique de tous les personnages, est-ce que vous vous rendez compte? Une chose est sûre, c'est que j'ai hâte d'avoir cet esprit d'héritage. Bon, on part directement sur la War Soul of Grievous Wounds. Désolé, je sais pas comment elle se dit en français. Augmente les PV du porteur d'un pourcentage et inflige un pourcentage de soins par coup à la cible principale pendant un tour. Donc grosso modo, c'est un still life. Voilà, c'est ça que je comprends. Selon les coups que tu vas mettre sur la cible, tu vas avoir un pourcentage de soins récupérés après chaque coup. Voilà, c'est ce que je comprends. Mais du coup ça va être en ratio sûrement à 25 voire 30% des dégâts infligés, tu vas te soigner l'équivalent.
sur qui ça pourrait bien fonctionner. En réfléchissant un petit peu comme ça, Kuraku a déjà cette mécanique, mais elle a été réduite depuis un moment, hein, depuis les précédentes mises à jour. Avant, il se mettait full life dès lors qu'il partait en ultimate. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il s'est fait vraiment nerf, hein, justement, pour toute cette phase PVP. Mais on retrouvera justement en PVP ce genre de Warsoul, hein, typiquement peut-être même sur la nouvelle personnage qui est arrivée justement avec le Battle Pass, et j'entends par là Yorishi, qui n'a pas cette capacité à se régénérer, donc ça peut être aussi une très très bonne chose sur elle, étant donné que ça va augmenter dans un premier temps ses PV, et puis après derrière elle va avoir ce skill life qui lui manquait justement pour être compétitif en PVP 1v1. Le PVP 1v1 n'est pas terminé, les amis, il reste encore les phases de poule, étant donné que le PVP a changé maintenant que c'est l'arène Gladiator, les phases de poule resteront du PVP 1v1, je le crois. On part directement sur la 7ème Warsoul, la Warsoul of Citadel. Celle-ci, elle va augmenter les PV du porteur d'un pourcentage, d'accord, donc on est sur quelque chose de très défensif. Quand la bataille commence, le taux d'immunité de tous les alliés augmente d'un pourcentage. Je veux connaître ce pourcentage. L'immunité, encore une fois, c'est la réduction aux dégâts, d'accord, c'est réduire les dégâts directement. Donc faut voir le bonus, est-ce que c'est 10, 20, 30%, on sait pas trop, même si de nature je dirais instinctivement que c'est 10% à peu près. Et la défense est augmentée d'un pourcentage pendant 3 rounds, d'accord ? Round. Est-ce que ça prend en compte aussi le round de l'adversaire ? Je ne crois pas, je pense que c'est vraiment que tes rounds à toi. Mais sait-on jamais. Très défensif, ça va être très très lourd justement sur les tours de faction des tortues, évidemment, étant donné qu'elles sont déjà tanky de base, ça va les rendre d'autant plus tanky dès le début du fight. Et puis ailleurs même, hein, ça pourrait même servir sur nos teams principales. Hop, je valide, quête terminée. On part directement sur la 8ème Warsoul, les amis, la Warsoul de contrôle. Augmente les PV du porteur d'un certain pourcentage, et dans cette bataille, le taux de dégâts de toutes les cibles ennemies est réduit d'un pourcentage. Donc c'est le même effet que Genju, sauf que Genju, lui, le porteur est censé mourir, justement pour appliquer le break attack sur la backline adverse. Ici c'est instantané, on va directement, dès le début de la bataille, réduire le taux de dégâts, en plus c'est même pas l'attaque, c'est le taux de dégâts d'un certain pourcentage de toutes les cibles ennemies. Et l'attaque est réduite d'un certain pourcentage pendant 3 rounds. Ce qui est vraiment plus fort que celle de Genju finalement, parce qu'on est plus obligé de mourir. Ça fonctionne dès le début du fight, ça réduit les dégâts encaissés et ça réduit l'attaque en même temps. Et c'est sur toutes les cibles, c'est pas que sur la backline adverse. Et ça c'est vraiment un pur bonheur. Voilà, Warsoul of Control, je pense que ça va être vraiment très très puissant par la suite, en tout cas dans nos teams, pour tanker, hein, tout simplement. Surtout sur les fights en fait où on va pas avoir l'initiative, finalement on est quasi sûr de se faire pratiquement OS, donc autant essayer de réduire au maximum les dégâts encaissés pour survivre derrière, et après derrière on est sûr de partir en ultimate, hein, évidemment, parce qu'on joue en second round. Allez, on est parti directement sur cette 9ème Warsoul, la Warsoul de renforcement, qui va augmenter le taux d'immunité de tous les personnages d'un pourcentage et la def d'un pourcentage. Donc vraiment, j'ai vraiment quand même cette impression là qu'on est sur des esprits d'héritage V2 en génération 2, où on va avoir plusieurs effets en un sans condition cette fois-ci, vraiment propre, et je pense que la Warsoul en renforcement est une Warsoul globale. Maintenant je m'avance encore une fois, mettez des pincettes et par rapport à ce que je dis, mais ça m'a tout l'air. Il n'y a pas de bonus en plus au personnage porteur, et généralement quand il y a un bonus au personnage porteur, ça sous-entend qu'elle doit être équipée en combat. Là en l'occurrence, je ne sais pas. On part directement sur la Warsoul de Rage, la Warsoul of Hounslow, augmente le taux de dégâts de tous les personnages d'un pourcentage et l'attaque d'un pourcentage. Donc c'est du même acabit que Ichigo, du même acabit que celle de Zangetsu, le taux de dégâts et l'attaque d'un pourcentage. Donc c'est Nuker, ça fait plaisir, ça booste tous les personnages, c'est ce qu'on veut, quel bonheur. Allez, on part directement sur la 11ème Warsoul, les amis, la Warsoul of Aegis augmente la défense de tous les personnages d'un pourcentage en fonction de la défense du porteur. Donc là on est quasi sûr, je m'avance à 99% que c'est une Warsoul justement globale qui se base sur la défense du porteur, un peu comme Soyphon, et qui va augmenter la défense de tous les personnages de la box, indispensable. Maintenant faudra voir quel personnage le propose, va falloir faire un craft, hein, j'en suis convaincu, les frérots. On verra, sûrement un personnage type défensif, hein, évidemment. On part directement sur la 12ème, la Warsoul of Noxious Venom. Cette fois-ci, elle va augmenter les PV du porteur d'un pourcentage, l'attaque d'un pourcentage et les chances d'empoisonner la cible principale. Elle donne la chance
d'empoisonner la cible. C'est comme celle de Uryu hein, qui va donner la chance de saignement. C'est vraiment une très très bonne chose étant donné que le boss d'escouade à l'heure actuelle est buggé. Sur le dernier tick du 10e tour, il prendra énormément de poison, de dégâts de poison, des millions, hein, si le dernier tick de poison proc. Donc ça va être une Warsoul qui va être justement... qui n'obligera pas justement à jouer Gin ou à jouer Mayuri et qui va permettre justement d'augmenter les dégâts finaux des boss, du boss des squads, même si c'est juste pour la postérité, d'un million, hein, voire plus. On part directement sur la Warsoul of Versatility, la Warsoul Versatile, qui va augmenter l'attaque du porteur, ses chances de critique d'un pourcentage. What the fuck? Oh, elle est tellement bien! Ça augmente l'attaque et les chances de critique, les amis. Va peut-être falloir réfléchir maintenant sur ce qu'on va mettre possiblement sur Kenpachi, même si Kenpachi est très tourné sur Uryu, étant donné que ses vrais dégâts se basent littéralement sur sa combo. Lors du lancement de la compétence de rage du porteur, s'il y a plus de 50% de sa santé, donc c'est celui qui porte la Warsoul doit être au-dessus de 50% de ses PV, les dégâts infligés sont augmentés d'un pourcentage. Si la santé est inférieure à 50%, récupère un pourcentage plus 2000 points de vie. Oh, elle est incroyable! Elle est incroyable. Ça, je mettrais ça sur Zangetsu, sur Aizen, sur tout ce qui est Nocker et tout ce qui va prendre des dégâts finalement. Dans tous les cas, s'il est full vie ou s'il est au-dessus de 50%, il va infliger plus de dégâts, et s'il est en dessous, il va se régénérer des PV. Donc, insane, franchement. Et le bonus critique marche dans les deux cas, donc vraiment insane. Il va nous la falloir, hein, très clairement, cette Warsoul of Versatility. On part directement sur la 14e, les amis, la Warsoul of Evolution. L'esprit d'héritage de l'évolution augmente les PV du porteur d'un pourcentage. Après avoir lancé un skill, donc la combo, hein, il va gagner 150 points de rage supplémentaires, augmenter l'attaque d'un pourcentage, plus 500, et la def d'un pourcentage, plus 500. Oh là là, c'est Warsoul, les amis, ça je mettrais ça sur Zangetsu. Soit sur Zangetsu, soit sur Aizen. Sur Zangetsu, dans l'idée où justement on veut qu'il reparte très très vite en ultimate, il a cette capacité justement, si vous avez son arme, à voler en fait la rage sur son ultimate. Si tu rajoutes ça en plus de l'effet de sa combo basique qui va lui donner 60% de chance de récupérer 150 points de rage, et en plus, la Warsoul of Evolution, mais il va partir tout le temps en ultimate, quoi. Il se prend un coup, il repart direct le tour d'après. Incroyable la Warsoul of Evolution, et puis sur Aizen, étant donné qu'il fait énormément de dégâts, autant essayer de le faire partir le plus vite possible. Après, sur tout ce qui va être aussi contrôle, hein, si tu joues Mayuri aussi, pourquoi pas, ça peut jouer vraiment un peu partout, étant donné que ça augmente l'attaque et la def. Voilà, même si au début, la Warsoul va augmenter les PV du porteur, donc c'est à... Voilà, c'est plus... Ça peut partir directement aussi sur une Unohana, finalement, si on réfléchit bien. Ça augmente les PV d'Unohana. À chaque fois qu'elle va partir en combo, en plus sa combo elle est pas spécialement ouf, elle va se régénérer 150 points de rage supplémentaires, donc elle va refaire monter les points de rage de toute la team hein, lorsqu'elle est en ultimate, et ça va augmenter sa défense, plus 500 en plus, donc c'est des grosses stats de fou furieux les amis. Franchement, nickel. Je suis en train de penser aussi à les amis, si vous voulez pas vous faire spoil hein, par rapport au jeu BBS, pensez une chose les amis, c'est que ça fait 4 mois que je suis sur YouTube, que je fais attention à pas vous spoil, je vais arrêter les amis. Parce qu'en 4 mois, t'as eu le temps de regarder la série, et si tu l'as pas fait, c'est juste que t'as pas envie. Donc c'est plus à moi de m'adapter à toi, je l'ai fait un certain temps, de t'éviter au maximum le spoil, mais là ça fait 4 mois et demi, 5 mois maintenant que je suis sur Bleach, et si t'es nouveau sur la chaîne, à un moment donné, mets-toi à jour, hein. Si tu joues à un jeu tourné sur un manga, tu peux pas te plaindre de spoil, évidemment. Donc je vais arrêter, voilà, d'essayer de vous éviter un maximum de spoil, sauf sur le Discord communautaire où là ça reste inchangé, étant donné que les gens sont là pour discuter entre eux. Là en l'occurrence on est sur un jeu où on rentre justement dans le vif, hein, et puis de toute façon c'est une vidéo contemplative hein, celle-ci, hein. T'es même pas obligé de regarder l'écran, t'es juste là pour m'écouter, donc ça devrait être ok pour toi. Bref, partons directement sur la 15e Warsoul, on est presque à la fin les amis, il y en a 18 au total. La Warsoul de la cruauté, of cruelty, augmente l'attaque de tous les personnages, d'un pourcentage, et le taux de dégâts d'un pourcentage, et la force d'effet d'un pourcentage. Alors la force d'effet, c'est la puissance d'effet, hein, finalement c'est pas la chance d'appliquer un debuff, c'est la puissance du debuff en lui-même, type saignement, etc., brûlure. De ce que je en comprends. Donc ça va être très très fort, je pense. En tout cas ça peut scaler très très bien sur le frérot Yamamoto. Voilà, tout simplement.
Même si à l'heure actuelle, je sais pas trop ce que vous lui mettez. Est-ce que c'est de la réduction de dégâts? Qu'est-ce que vous lui mettez en Warsoul synthèse, hein, évidemment. Moi, je le joue pas Yamamoto, donc c'est pour ça que je suis plus trop à jour sur lui. Même si de temps en temps, je le ressors pour la beauté du geste quand j'ai besoin de décrase, mais c'est très 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 rare. Et du coup, je sais pas trop. Mais augmenter l'attaque de tous les pourcentages à côté, ça le compte lui-même en plus dans le bonus et le taux de dégâts et la force d'effet. Je crois que c'est une bonne idée peut-être de le mettre sur lui. Voir sur Gin. On verra bien de toute façon. La Warsoul of Bashing, c'est la 16ème les amis. On va augmenter l'attaque du porteur, donc là ça nous intéresse. Si la cible tombe en dessous de 50% de sa santé, augmente les chances de critique d'un pourcentage. On directement sur la Warsoul of Suppression, la 17ème les amis. Augmente les PV du porteur d'un pourcentage. L'attaque de base et la Mastery Skill ont 40% de chances de réduire la rage ennemie de 100. Et l'attaque d'un pourcentage plus 500. Donc... en clair, ça, il faudra le mettre sur un support ou sur un tank. Pourquoi? Dans un premier temps, ça augmente les PV et chaque attaque de base... moi, je le verrais bien sur un Kyoraku, par exemple, même si on met Jinta en vrai sur un Kyoraku. Mais si tu veux mettre Jinta sur quelqu'un d'autre, ça peut être une idée de mettre la Warsoul of Suppression. À chaque attaque de base, donc ses auto-attaques et sa combo, son skill, vont avoir 40% de chance de réduire la rage ennemie de 100. 40%, c'est pas 50% comme un Ataro, mais ça reste quand même assez intéressant, sachant qu'en plus, on va break attaque... je suis plutôt fan, ça peut très bien marcher justement sur la team, encore une fois, Tortue Noire ou Suzaku. Je prends, franchement, pourquoi pas, même si c'est dommage qu'il y ait ce 40%, on aurait aimé un 50% minimum. Déjà, pour mentalement, c'est plus agréable, et puis en vrai, 75%, ça aurait pas été déconnant, tu vois, en vrai. Après, c'est vrai qu'en PVP 1v1, tu mets celle-ci, si t'avais eu 75% de chance de réduire la rage de l'adversaire, sachant que tu pars forcément en auto-attaque après avoir utilisé ton ultimate, t'aurais en fait... perma empêcher le mec d'envoyer son ultimate. Donc ça, en PVP, la Warsoul of Suppression, ça m'a l'air vraiment génial. Déjà de 1, sur les personnages qui vont être bruiseurs, hein, typiquement Yorishi, etc., Ulquiorra, des personnages qui vont être très tanky, avoir une grosse régénération, et en plus réduire la rage avec 40% de chance, mais tous les jours, quoi. Vraiment tous les jours. Et en plus de ça, tu vas réduire l'attaque d'un pourcentage de l'adversaire, donc plus 500. Le plus 500, c'est 500 flat. Donc au moins, tu réduis au moins ce pourcentage-là, plus... enfin, la Warsoul of Suppression en PVP en V1, ça m'a l'air d'être vraiment god. Partons directement sur la 18ème et dernière Warsoul, la Warsoul of Purging, la Warsoul de la purge, hein, augmente l'attaque du porteur d'un pourcentage. Après la compétence de l'ultimate, il y a un pourcentage de chance de supprimer tous les debuffs d'un personnage allié aléatoire. Tous les debuffs d'un personnage allié aléatoire. Pourquoi c'est fort, les amis? C'est fort typiquement si tu joues la team White Ichigo. Pourquoi? Parce que souvent en PVP, tu vas retrouver la team White Ichigo plus contrôle. Tu vas tomber souvent sur des Urahara ou sur des Aizen. Étant donné que ton White Ichigo joue en 6ème, tu vas balancer tous tes spells. Si Urahara descend en dessous de 35% de ses PV, ou surtout Urahara en fait, je sais pas pourquoi je parle des Aizen, mais Urahara mettons. Tu vas, ou même, non, même Aizen, étant donné que il va contrôle KO plutôt un allié sur une auto-attaque, par exemple sur un ultimate, tu actives la Warsoul of Purging sur un de tes personnages, tu lui envoies ton ultimate sur n'importe qui et ça va pouvoir enlever le KO d'un de tes personnages qui l'a pris, typiquement sur l'étage 309 du défi extrême, ou tout simplement sur l'enchaînement d'Urahara qui viendrait s'appliquer automatiquement après qu'il ait perdu, qu'il soit en dessous de 35% de ses PV. Ça peut aussi fonctionner avec une brûlure, ça peut fonctionner avec tout ce qui va être des debuffs sur un personnage allié aléatoire. Pour moi, c'est vraiment sympa. Maintenant, il va quand même prendre une place d'esprit d'héritage dans les combinaisons. Est-ce que toutes les Warsoul qui sont affichées ici sont des Warsoul de craft? Je ne sais pas, les amis. Une chose est sûre, c'est qu'elles sont plus ou moins toutes intéressante, vraiment, et en tout cas les Warsoul de nos cœurs, c'est un pur bonheur. On pense littéralement à la Warsoul of Morale, hein, qui va augmenter les chances de critique de tous les personnages, j'allais dire de pourcentage, de tous les personnages. Celle-ci va faire énormément de bien sur nos comptes. Voilà, c'était une vidéo récap des prochaines Warsoul qui arriveront. Je t'invite tout simplement à re-regarder cette vidéo pour savoir de quel Warsoul on parle. Une chose est sûre, c'est que ça va arriver très très vite. C'était la Gymnabi pour l'actualité sur Bleach Immortal Soul. On se retrouvera bientôt sûrement en live dès qu'il fera beaucoup moins chaud. Chez moi, il fait plus de 30 degrés, les amis, donc ça va être difficile voilà, à tenir un live. C'est pour ça que je me laisse un peu le temps, ou sinon, ce sera tout simplement à la rentrée. C'était la Kunabi, prenez soin de vous, on suit l'actualité des jeux du moment. Ciao, ciao.
俺の手がなんかブリッジに